Votre invité Sonia Mabrouk, c'est le député européen Les Républicains Brice Sortefeu, ancien ministre de l'Intérieur. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Brice Sortefeu. Ma première question s'adresse aux, aux députés européens. Où est l'Europe Quel numéro l'Europe quand on voit l'escalade et les tensions exacerbées entre l'Iran et les États-Unis oui, c'est précisément utile de rappeler que l'Europe était absente et que d'ailleurs au sein de l'Europe, la France est singulièrement euh, absente de ce, ce qui se dessine comme face-à-face. -face. Nous étions déjà un peu consultés euh, dans du face-à-face -face, euh, turc, face-à-face -face, avec triple face, turc, russe, euh, américain et donc c'est un mauvais signal du fait d'être absent et donc il faut que l'Europe puisse s'exprimer s'exprimer, s'exprimer de plus en plus d'une voix et d'une seule. D'une voix et d'une seule entre les différents pays, mais pour dire quoi encore La désescalade Et après Et après Qu'est-ce qui va se passer bah Précisément, avec les événements qui se sont déroulés ces derniers jours, et il y a un signal, il y a eu... Oui, une escalade, une escalade qui pouvait être d'ailleurs compréhensible puisque les États-Unis ont été agressés, leur ambassade menacée, et les, les Iraniens ont réagi, semble-t-il, sous réserve d'informations complémentaires de manière ciblée. Donc, il est temps après l'escalade de passer à la désescalade. C'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des Iraniens, c'est l'intérêt des Américains et c'est l'intérêt de la paix dans le monde. Dans quelques heures, Brice Hortefeu, à 14 h précisément, heure française, se tiendra la conférence de presse attendue de Carlos Ghosn, l'ancien un patron déchu de Renault-Nissan va donc livrer sa version, sa vérité et très probablement dénoncer le système japonais. Sur sa fuite, est-ce que vous êtes plutôt compréhensif, indulgent bon, C'est tout à la fois une justice japonaise surprenante et une évasion étonnante. Le système judiciaire japonais, évidemment, laisse perplexe, parce que si c'est qui est exact et, et, et confirmé, c'est-à-dire qu'il a vécu une incarcération préventive comme d'autres, j'imagine, dans une pièce de 6 mètres carrés et demi, avec la lumière allumée nuit et jour, sans avoir accès à ses médicaments, à ses soins quotidiens, et puis de l'autre côté, une, une évasion qui est digne de Monte Cristo. Donc, donc, euh, l'essentiel, je crois, c'est que Carlos Ghosn puisse à la fois s'exprimer et s'expliquer et être jugé sereinement. Une question précise, s'il demandait, s'il souhaitait Carlos Ghosn venir en France, quelle devrait être l'attitude de la France selon vous Je suis étonné d'ailleurs que le gouvernement ne soit pas plus clair et précis sur ce sujet. C'est-à-dire Il y a une loi de 1927 donc qui n'est pas faite pour M. Ghosn, c'est une loi de 1927 qui a été d'ailleurs modifiée sous Dominique Perben en 2004 et confirmée qui indique très clairement que lorsqu'il n'y a pas d'extradition lorsqu'il s'agit d'un citoyen français, sauf dans Cas d'un mandat d'arrêt européen, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que selon vous, la France n'en fait pas assez euh, euh, Par la voix de Bruno Le Maire, il est indiqué que la France défend d'abord ses intérêts, ses intérêts à travers euh, Renault. Mais est-ce qu'il faut faire davantage par rapport à l'homme, Carlos Ghosn Il faut que le, le, les droits de chacun soient respectés et notamment. En rappelant sans ambiguïté cette règle de non-extradition. Bon, vous le soutenez quand même. Hier, vous savez qu'il y a eu un soutien assez inédit, étonnant. À votre place, au micro d'Europe 1, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Oui, il nous a habitués à beaucoup de surprises dans beaucoup de domaines. Mmh. Et il a dit d'ailleurs que ce n'est pas une affaire de classe sociale et droits de l'homme, euh, estime Jean-Luc Mélenchon, doivent être évidemment défendus et ça vaut pour Carlos Ghosn. Mais eh ben, ce sera ma journée pro-Mélenchon de l'année. <laughs> il n'y en aura qu'une. <laughs> attendons, déjà la, la, sais, suite. attendons la suite. <laughs> L'actualité sociale, sortefeu à présent, 35e jour de grève contre la réforme des retraites. On va évoquer le fond, bien sûr, mais tout d'abord, en préambule, pour qu'on soit clair, la droite que vous représentez demande le retrait de ce projet Bon, il faut avoir à la fois le courage et la lucidité d'affirmer qu'une réforme doit être engagée, mais pas avec ce projet cafouilleux euh, qui, euh, euh, auquel personne ne comprend rien et qui inquiète donc tout le monde. Il faut donc le retirer pour euh, non, autant il y a, Non, il y a un aspect... C'est ce qu'a dit Christian Jacob. Euh, oui, mais je vous le dis, hum? il faut engager une réforme tout simplement pour préserver l'avenir de nos retraités. Sur ce point, le gouvernement a raison, mais le problème c'est qu'il a tort sur tous les autres. Euh, le premier point, d'abord aujourd'hui, c'est un, un avancé, l'opinion publique a enfin, parfaitement, compris qu'il fallait bouger. Pourquoi Parce que l'espérance de vie augmente, mm -hmm. on le sait de manière spectaculaire. Depuis 1960, on a gagné 8 ans pour les hommes, ce qui est réconfortant. 6 ans pour les femmes, aussi, ce qui est bien. Mais que d'un autre côté, il y a de moins en moins de cotisants. C'était en 1960, 4,14 cotisants pour un retraité. En 2019, ça sera vraisemblablement autour d'1,6 pour le un moment retraité. Et il donc, faut faire cette attendez, réforme, ça veut selon dire il y a, vous... Il y aura un déficit, un déficit très lourd mm -hmm. de 10 milliards. On parle beaucoup de la SNCF. Je rappelle, par exemple, pour la SNCF, il y a 141 000 euh, agents à la SNCF et 256 000 retraités, ce qui fait que l'État est obligé d'abonder à hauteur de 3 murs. Bref, tout ça pour vous dire que le système est à bout de souffle et qu'il faut donc l'oxygène. Brice je répète ma question parce que si j'ai bien entendu, le patron des Républicains, donc de votre parti, Christian Jacob, il dit que c'est tellement cafouilleux qu'il faut retirer purement et simplement ce texte. Ma question, c'est est-ce que vous formulez faut, la même demande Il faut, il faut proposer une réforme, Donc, ce non. que nous Donc non, vous n'êtes pas d'accord sur le... Ici, je suis totalement d'accord, il faut proposer une réforme, ce que dit très exactement Christian Jacob, mmh. et <laughs> euh, simultanément, euh, naturellement, modifier, revoir, réécrire, peu importe, la langue française est riche, euh, un texte. Mais moi, ce que, qui me frappe, c'est que, malheureusement, regardez ce qui se passe. Et voilà, euh, très exactement, aujourd'hui, deux ans, trois mois et 24 jours que le Président de la République a chargé un responsable de préparer euh, la réforme oui, des ça retraites. Ça s'appelle le dialogue social. Et, 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 et aujourd'hui, nous, précisément, nous sommes dans une situation de blocage dans certains secteurs qu'on n'a pas connu de toute la 5e République, de toute la quatrième République. Et c'est de, de, -ce de, de la responsabilité du gouvernement Est-ce que c'est de la responsabilité Mais bien sûr que c'est de la responsabilité du gouvernement. Vous en avez connu des blocages, mais, vous en avez connu des grèves, vous en, en avez mis des millions de Français mais dans la rue. Les Français observent avec... Et ben, oui, mais précisément, il n'y a pas eu d'intérêt

C'est ça ta grande différence. Oui, il y a eu des manifestations. Oui, très légitimement, ce, ce, les Français se sont exprimés parce que nous, nous avons réussi une réforme. On la réussi, les, Ma famille politique, ceux qui en étaient les responsables, ils ont fait la réforme de 1993, ils ont fait la réforme de 2003, ils ont fait la réforme en 2010 à l'initiative de Nicolas Sarkozy. Il y avait beaucoup de monde dans la rue, bien sûr, qui s'est exprimé, ce qui est tout à fait légitime. Mais pour l'instant, pour autant, on n'a pas connu une situation de blocage comme Et nous pourtant, la connaissons aujourd'hui. Je vous oui. rappelle que c'est le 35e jour que nous y avons aujourd'hui. Ça ne s'est jamais produit. Malgré ce contexte social et malgré cette situation inédite, le gouvernement fera sans doute passer sa réforme et une partie de l'opinion publique, singulièrement votre électorat, l'électorat de droite, y verra la preuve peut-être de l'audace réformatrice du président. C'est injuste pour les républicains. Non, hein, pour la droite, non Mais regarde bien ce qui se passe. Le gouvernement a affiché, a affiché trois objectifs. Il a affiché l'objectif de l'équilibre financier. Aujourd'hui, avec le, la pénibilité, avec la régularisation des pensions, avec l'augmentation d'un certain nombre de secteurs, personne au gouvernement n'est capable, et j'emploie un mot volontairement modéré, de nous dire combien la réforme va coûter. Moi, je vous le dis, ça va coûter des dizaines de milliards d'euros. Et c'est à se demander si finalement. La si réforme le des retraites avait, va nous coûter des, des dizaines de des, milliards d'euros selon Je confirme que oui. personne ne pourra me contester que ça va coûter des dizaines de milliards d'euros. Et euh, ce qui est nous-mêmes un compte, on peut se demander si finalement. On n'avaient rien fait, ça aurait pas été plus économique. Bon. Deuxième élément, ils annonçaient l'unification, la, la, un régime universel, ouais, et avec la suppression des régimes sp euh, spéciaux. Bon, oui, beauté du style, on parle plus de régime spécial, on parle, attendez, euh, tenez-vous bien, de régime spécifique. On en est à 11 dérogations. Troisième élément, c'était la simplification. Aujourd'hui, vous pouvez déjà... Est, elle est très loin pour vous, mais a, vous pouvez déjà calculer à une centaine d'euros près votre retraite. Avec le système à points, c'est totalement impossible. Donc vous voyez, il n'y a pas mmh. d'unité, il n'y a pas de garantie financière. Rien il de a rien, pas vous de ne voyez rien de bien, Je dis réforme, ce projet gouvernemental. Si faire, est, ce projet gouvernemental mmh. est amphigourique. Et là, et là, je sens un nuage dans ce studio. Ça veut <laughs> dire que c'est un, un projet en réalité embrouillé, obscur, illisible. Voilà, un mot compliqué pour dire les choses directement. Je voudrais maintenant faire réagir l'ancien ministre de l'Intérieur que vous avez été, Brice Hortefeux, à cette information Repin a révélée ce matin. C'est le chiffre de voitures brûlées durant la nuit de la Saint-Sylvestre. 1457 véhicules incendiés cette année. Silence de Beauvau sur le sujet, parce que le ministre de l'Intérieur refuse désormais de commenter, de donner ces chiffres. Il a raison. Je pense qu'il y a un. C'est une décision que j'avais prise d'ailleurs en 2010. J'avais été critiqué à cette époque-là. Je n'avais donné aucun chiffre, j'allais dire, à chaud, c'est-à-dire le lendemain. Et de, notamment de la nuit de la Saint-Sylvestre et contrairement à ce que j'ai entendu sur votre antenne exceptionnellement il y a sans doute une petite erreur et cela avait diminué de plus de 15% parce que c'était mettre fin à une émulation et pour autant je donnais les chiffres mais j'ai donné les chiffres annuellement et de manière très précise oh mais pardon est-ce mais... qu'il n'y a pas quand même puisque vous avez parlé d'un mot je pourrais le reprendre tout à l'heure mais il m'échappe à l'instant une sorte de flou une volonté peut-être certains vont dire de cacher ces chiffres de ne pas donner la réalité non, de la situation sécuritaire en France en ce soir là peut-être ah. mais je je pense qu'on a raison néanmoins de casser cette émulation stupide de crétins dont le jeu est naturellement de mettre le feu à des voitures, mais ce qui a changé depuis et c'est donc à la décharge du gouvernement ce qui a changé depuis, c'est que les réseaux sociaux ont compensé ou complété donc, selon les vous, médias. Donc c'est bien de ne pas donner donc, ces chiffres je pense que même a raison, si la réalité on la, la temps, Mais en même temps, il faut naturellement qu'il y ait des sanctions parce que la première des préventions, c'est la certitude de la sanction. Merci Brice Sortefeu, merci d'avoir été notre invité. Matin sur Europe. 1.